Bonjour! Pendant mon premier semestre à Séoul, il y a quelques expressions que j'ai souvent entendues ou que j'ai souvent utilisées et je voulais justement vous faire part de ces expressions parce que si comme moi, vous vivez à Séoul pendant plusieurs mois, c'est-à-dire qu'on n'est pas là-bas en tant que touriste parce que moi personnellement j'avais fait deux voyages à Séoul avant d'y être étudiante et personnellement je n'avais pas eu besoin de ces expressions. Donc voilà, si comme moi vous partez vivre à Séoul et que vraiment vous êtes dans le quotidien, vous aurez sûrement besoin de connaître ces quelques petites expressions. Pour la plupart, je les ai regroupées par catégorie de lieux pour que ce soit plus facile et plus clair. Mais il y en a aussi quelques-unes que vous pouvez voir, entendre ou utiliser de manière générale. Je vais commencer par les cafés. Vous saurez peut-être qu'en Corée ou en tout cas à Séoul, c'est vraiment, comment dire, presque une religion, les cafés, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et pour la plupart, ce sont vraiment des très jolis cafés, des endroits qui sont vraiment très agréables, très confortables, et dans lesquels, personnellement, j'ai passé vraiment la plupart de mon temps. Quand vous allez dans un café à Séoul et que vous passez une commande, vous entendrez sûrement ces deux expressions qui veulent dire sur place ou à emporter. Je vais commencer avec l'expression à emporter. Il s'agit du mot pojang. Donc voilà, pojang, je pense que je vous l'inscrirai quelque part sur l'écran. C'est le mot que les Coréens utilisent pour dire donc take away. Ensuite, pour dire sur place, les Coréens utilisent une expression qui est un peu plus complexe, mais que personnellement j'ai entendu beaucoup plus que pojang. Il s'agit de tejiko kaseyo. Donc tejiko kaseyo, c'est une question, c'est-à-dire que souvent on l'entendrait plutôt sur ce ton-là. Tejiko kaseyo. Et je vous avoue qu'au début, quand j'étais pas vraiment familière avec cette expression, je ne savais pas trop par quoi répondre. Donc si en effet vous consommez votre boisson ou votre gâteau, peu importe ce que vous avez commandé sur place, vous allez pouvoir répondre à cette question par ne. A l'inverse, si vous partez, vous allez répondre à cette question par anyo. Je pense faire quelques petits points linguistiques au niveau des expressions pour ceux que ça intéresserait, pour ceux qui voudraient apprendre le coréen. Pour Doshiko Kaseyo, c'est un petit peu complexe, donc je sais pas si je vais passer du temps sur cette expression, mais pour le reste, je vais sûrement quand même vous expliquer un petit peu. Juste par rapport à Doshiko Kaseyo, littéralement, en fait, ça veut dire partez-vous après avoir consommé, donc soit une boisson, soit de la nourriture. Je passe maintenant au Pyeonejeom, donc ces petites supérettes qui sont ouvertes tous les jours 24h/24. Dans ce lieu, je n'ai relevé qu'une seule expression qui m'a vraiment servi parce que, en général, dans les Pyeonejeom, vous n'allez pas être amené à parler beaucoup coréen. Il s'agit de l'expression 봉투 필요하세요. Donc, encore une fois, c'est une question. C'est pas vous qui allez poser cette question, c'est le vendeur ou la vendeuse au moment où vous allez payer. Car cette question signifie avez-vous besoin d'un sac? Là, niveau linguistique, ça va être un petit peu plus facile à expliquer. Donc, vous avez le mot pongtu qui veut dire sac. Donc, je sais pas si vous voyez à quel sac je me réfère, mais c'est typiquement les sacs qu'on peut trouver dans les Pyeonejeom, c'est-à-dire ces petits sacs en plastique noir. Et pilohaseo, donc c'est le verbe pilohada qui veut dire avoir besoin. Donc, petit exemple un petit peu romantique, un petit peu fleur bleue. Si vous voulez dire à quelqu'un j'ai besoin de toi, vous allez dire doreul pilohaeo. Avant de passer au lieu suivant et donc à l'expression suivante, il y a peut-être quelque chose que je pourrais vous conseiller lorsque vous êtes dans un Pyeonejeom ou dans un magasin ou même dans un restaurant de manière générale. Ce serait peut-être d'apprendre les noms coréens. Je vous conseillerais peut-être de vous focaliser sur baek qui est 100, chon qui veut dire 1000 et man qui veut dire 10 000 parce que quand vous allez payer en Corée du Sud, c'est ce qui va vous servir le plus. Moi par exemple, quand j'achetais mes briques de lait, c'était souvent, 800 won, 900 won, donc là vous allez dire 800 won ou 900 won. Après, ce qui revient assez souvent, donc c'est 1000 won, 2000 won, 3000 won, 4000 won, 5000 won, etc. jusqu'à 10 000 won, manon, donc 10 000 won, pardon. Et après, je dirais que si vous connaissez jusqu'à 3000 won, donc environ 25 euros, quelque chose comme ça, ça peut être suffisant à moins que vous dépensiez vraiment beaucoup plus. Mais alors là, c'est sur le même principe. À partir du moment où vous connaissez les chiffres coréens, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, vous devriez pas trop avoir de problème parce que donc c'est toujours sur le même principe. Vous avez manon, imanon, samanon, samanon, omanon, etc., etc. Après, si vous ne connaissez pas les noms coréens, c'est pas non plus une catastrophe parce que dans tous les cas, ce sera forcément marqué sur la machine la somme du coup que vous devez dépenser. Ensuite, je vais vous parler d'une expression qui peut vous servir dans les restaurants en Corée. Pour la plupart des gens qui apprennent le coréen, vous aurez sûrement appris que dans un restaurant, quand vous voulez passer commande, vous pouvez interpeller le serveur ou la serveuse en disant « chogyo ». Mais il y a une autre expression que vous pouvez utiliser dans le cas où vous venez de regarder le menu, vous savez ce que vous voulez commander, et donc vous voulez passer commande. Vous pouvez dire « chumunhalgyeo ». Ici, vous avez le verbe « chumunhada » qui veut dire « faire une commande, passer commande ». Et ce verbe est conjugué donc au futur proche avec « ulgyeo ». C'est une expression que vous pouvez entendre et que vous pouvez vous-même utiliser dans les restaurants si vous ne voulez pas utiliser « chogyeo ». Mais bien sûr, si vous trouvez que « chogyeo » c'est plus facile, eh bien c'est tout à fait correct aussi. Maintenant, je vais vous parler d'une expression que vous n'allez pas utiliser, que vous n'allez pas entendre, mais plutôt que vous allez voir, notamment aux arrêts de bus.
Comme en France, il y a bien évidemment des petits panneaux d'affichage qui affichent quel bus arrive et dans combien de temps. Ce dont je vais vous parler, c'est de quand le bus est sur le point d'arriver. Alors c'est un petit peu difficile à décrire, donc je pense que je vais vous mettre une photo. Quand un bus est sur le point d'arriver, son numéro s'affiche dans une petite case où il est inscrit « Gott Deutschak ». Donc « Gott Deutschak », ça signifie que le bus arrive bientôt, étant donné que « Gott » veut dire « bientôt » et que « Deutschak » veut dire « arriver ». Donc voilà, si vous voyez le numéro de votre bus qui s'affiche ici, ça veut dire qu'il ne devrait pas tarder à arriver. En revanche, quand j'ai été à Daejeon, j'ai remarqué que ça fonctionnait un petit peu différemment. Après, je sais pas si justement c'est propre à Daejeon ou si c'est propre à d'autres villes hors Séoul. En tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que au lieu que le numéro du bus s'affiche dans cette petite case Gott Deutschak, eh bien il y avait inscrit à côté, là où normalement il y a écrit 4 minutes, 10 minutes, il est inscrit Chamshi Hu. Chamshi, ça veut dire un instant, un moment, et Hu, ça veut dire après. Donc si on voulait traduire littéralement Chamshi Hu, ça donnerait après un instant, mais si on voulait traduire ça plus idiomatiquement en français, ce serait dans un instant, ce qui signifie donc que le bus arrive bientôt. Maintenant je vais vous parler du taxi. Si vous comptez prendre le taxi à Séoul, vous allez devoir repérer les taxis qui sont libres. Et personnellement, j'ai eu beaucoup de mal au début à repérer les taxis qui étaient libres. Je ne sais pas si ça vient de moi ou du fait que je sois française ou du fait que je sois européenne ou je ne sais de quel critère ça peut venir. Mais quand je vois quelque chose d'inscrit en rouge ici, notamment sur un taxi, je vais avoir tendance à penser que le taxi est occupé. Et inversement, si je vois quelque chose d'inscrit en bleu, je vais avoir tendance à penser que c'est bon, la voie est libre. Seulement en Corée ou en tout cas à Séoul, ben c'est le contraire. Si vous voyez au niveau du pare-brise ce petit panneau avec écrit quelque chose en rouge, cela veut dire que le taxi est libre. Et inversement, si vous voyez quelque chose d'inscrit en bleu sur le taxi, cela veut sûrement dire qu'il est réservé ou qu'il ne prend pas de passagers. Ces quelques petites informations, c'est au cas où vous voudriez vous référer simplement aux couleurs. Maintenant, si vous savez lire le Hangul et que donc vous pouvez vous référer à vraiment à ce qui est inscrit sur le taxi, voilà les mots que vous pourrez voir sur les taxis à Séoul. Le premier, donc, c'est Pinja, qui littéralement signifie voiture vide. Étant donné que cha se réfère au véhicule, donc à la voiture, et que pin vient du verbe pida qui signifie être vide. Si vous avez bien suivi ce que je viens de vous expliquer par rapport aux couleurs, vous pourrez donc en déduire que pincha s'inscrit en rouge sur les taxis. Vous verrez également le mot yeyak qui signifie réservation et qui veut donc dire que quelqu'un a déjà réservé ce taxi via une application. Et j'ai aussi découvert qu'on pouvait voir le mot hyumu sur les taxis qui signifie que le conducteur ne prend pas de passagers. Ces deux mots, donc yeyak et hyumu, vous les verrez affichés en bleu. Et pour finir, quand le taxi est occupé, eh bien il me semble qu'il n'y a pas vraiment d'indication si ce n'est que ni yeyak, ni hyumu, ni pinja ne soit affiché sur le taxi, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucun panneau lumineux qui soit allumé. Donc pour résumer un petit peu tout ça, si vous cherchez un taxi libre à Séoul, vous allez devoir repérer les taxis où il est inscrit Pinja en rouge. Je vais finir cette vidéo avec des expressions un petit peu plus random que vous pouvez utiliser un peu partout. La première, c'est une expression que mon copain m'a appris et que vous pouvez utiliser lorsque vous quittez un lieu, que ce soit une supérette, un magasin, un restaurant ou même un taxi. Il s'agit de l'expression Sugohaseyo. Sugohaseyo, si on traduit littéralement cette expression, cela veut dire travailler dur. En soi, c'est quelque chose qui permet d'encourager la personne. Donc voilà, c'est une formule de politesse que vous pouvez dire quand vous quittez un lieu, quel qu'il soit. Aussi, si comment vous faites vos comptes à la fin de la journée et que donc vous avez besoin d'avoir un reçu ou le ticket de caisse à chacun de vos achats, eh bien vous pourrez demander Yongsujeong-eul juseyo. Yongsujeong se réfère donc au reçu ou au ticket de caisse et vous avez le verbe juda qui veut dire donner. Maintenant, si vous vous retrouvez dans le métro ou dans le bus et qu'il y a énormément de monde et que vous arrivez à votre station et que vous devez descendre mais que vous n'y arrivez pas, eh bien il y a deux expressions que vous pouvez utiliser. Une de ces expressions que vous connaîtrez certainement parce que c'est l'expression qu'on retrouve souvent dans les manuels de coréen. Il s'agit de chamshimanyo. Donc chamshimanyo qui veut dire excusez-moi. Mais vous pouvez également utiliser nerilkeyo. Donc c'est une expression que moi-même j'ai beaucoup beaucoup entendue et que j'ai fini par utiliser également. Nerilkeyo, ça vient du verbe nerida qui veut dire descendre, mais par contre descendre d'un véhicule, c'est-à-dire soit d'un bus, d'un taxi, d'une voiture, du métro. Et ici il est conjugué encore une fois au futur proche. Voilà, n'hésitez pas à dire nerilkeyo, nerilkeyo comme ça dans le métro si vous n'arrivez pas à passer. Et pour finir, il y a deux petits mots que j'ai pas mal vus à Séoul parce que c'est quelque chose qui est assez courant. Il s'agit des réductions ou des offres qui sont faites soit dans les supérettes, soit dans les magasins, soit même dans les salons de coiffure, peu importe. Ces deux mots sont halin et sale, donc sale qui vient du mot anglais sale. C'est vraiment un mot que j'ai beaucoup vu, notamment dans mon quartier à Sungmyeong, parce que en tant qu'étudiant, on a des réductions. À l'instant, je vous parlais des salons de coiffure parce que justement, dans la rue qui menait jusqu'à
mon logement universitaire, il y avait un salon de coiffure et il y avait inscrit quelque chose comme Sungmyeong, Akseng, Halim, quelque chose comme ça. C'est pas une expression qui va vous être vitale, on va dire, mais moi je me suis pas mal posé la question quand j'ai vu au début parce que je ne savais pas ce que ça voulait dire et je voyais vraiment partout. Voilà pour les expressions qui m'ont été personnellement utiles quand j'ai passé donc mon premier semestre à Séoul. C'est possible que j'en ai oublié, mais je pense que ce sont les principales vraiment qui m'ont été les plus utiles. J'espère que ça aurait pu aider certains d'entre vous ou que ça pourra vous aider si vous avez l'intention de partir à Séoul. J'espère pouvoir vous retrouver la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo si je trouve un sujet de vidéo intéressant à faire. Sinon, il reste vraiment plus beaucoup de temps. Il me semble qu'il reste 3 semaines avant mon retour en Corée, donc dans tous les cas, je vous retrouverai, je l'espère, dans 3 semaines avec des vidéos plus régulières, des vlogs ou quelconque autre type de vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre des suggestions en commentaire. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Just.